Là, vous prenez la parole pour défendre la maudite. Vous nous dites que c'est pas elle. Moi, je vous dis que Achille nous a confirmé qu'ils étaient ensemble. Moi, je respecte votre parole. J'écoute bien. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes sûr de ce que vous dites. Mais entre-temps, Achille a dit ce qu'il a dit par rapport à leur rencontre. Mais maintenant, laissons même ce côté Achille et l'autre. Nous sommes sur la rose. Si vous, vous connaissez la vérité, dites la vérité ici pour vos enfants et puis on en finit. Aminata, elle-même, elle est là. Je ne sais pas ce qu'elle a à dire, mais elle a la parole. Allez-y, madame. Bonsoir. Je vous écoute. Vous avez parlé depuis le début. Je vous écoute. En fait, vous voulez que je vous pose les questions ou c'est pas moi? Vous êtes en train de poser les choses? Je vous écoute parce que vous citez mon nom sans arrêt aujourd'hui, donc moi je vous écoute. Mais j'explique encore, non, vous ne pouvez pas dire sans arrêt, j'ai dit, Aminata est celle que, moi je l'appelle la maudite ici, appelle sa maman. La maudite vous appelle sa maman, vous êtes la sœur de Bintou. Jusque là, c'est ce que j'ai dit de vous, hein. Mais oui. Si c'est faux, voilà, c'est pas que vous me dites que c'est faux. Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, voilà, donc je disais donc que c'est vous qui avez présenté Achille à la rose noire, c'est vrai ou c'est faux? On présente toujours quelqu'un à quelqu'un, c'est très bien vrai, voilà. Et la rose noire l'a aidé dans ses problèmes. Voilà. Et les deux s'appelaient pendant des mois. Après, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que la Rose n'a jamais rencontré Dicolo, ni visuellement, ni sexuellement, d'après ce qu'elle m'a dit. Je la crois. Ouais. Maintenant, s'il s'avère qu'il y a une histoire qui est montée sur les nudes et qu'il accuse la Rose Noire, que c'est elle, c'est jamais la Rose Noire, parce qu'elle a juré de tous les dieux de la terre, pleuré plus que même le jour que sa mère est morte. C'est pas elle qui a publié les nudes de Dicolo, et Achille sait très bien qu'il a publié, puisqu'il le sait, il a avoué à Coco Hortense. Et Coco Hortense me l'a dit, parce qu'elle m'a dit, ma mère, je vais pas laisser conduire ta fille, la Rose Noire, alors qu'il sait très bien qu'il a publié. Ce n'est pas Perpétue Maliba qui l'a publié. Ce n'est pas ma fille Perpétue. Il sait très bien que ça vient d'une fille d'Italie. Et il a même dit tout à l'heure qu'il va demander les excuses à la Rose Noire. Donc j'insiste sur le fait que ce n'est ni Pépé ni la Rose Noire. Vous aurez peut-être des problèmes avec Pépé, mais monsieur, mais ça, ne laissez pas qu'on vous entraîne dans la merde. En plus, avec votre ex-petite sœur Pépé ou petite sœur, n'appuyez pas sur le fait que c'est Pépé, ce n'est jamais Perpétue. Elle n'est ni dedans ni devant. Même à Paris, il n'a jamais rencontré Pépé. Je peux vous dire avec qui il était exactement, dans quel café chez Mich. Pépé n'a jamais rencontré Achille. Qu'ils arrêtent de vous mentir. Nous sommes des vieilles parisiennes, on est au courant de qui est quoi, qui fait quoi. Donc s'il y a des problèmes entre vous et Pépé, qu'on n'envenime pas et qu'on ne vous rassure pas qu'ils se sont même vus, c'est archi faux. Oui, j'insiste sur le fait que Achille sait très bien que c'est pas la Rose Noire qui l'a publié. Ok, madame Aminata, ça c'est une chose. La deuxième chose maintenant, concernant Paris. Oui. Où donc il est au milieu des deux personnes? Moi je vous dis, Achille Dicolo nous a confirmé qu'il était il y a deux jours avec la maudite dans le restaurant à Paris. Alors, il ne peut pas vous le prouver, c'est faux. Mais c'est il peut faux, le prouver, c'est ce qu'il a dit. Achille veut gâter la relation de Pépé, pourquoi? Il ne peut pas vous le prouver, c'est faux, c'est faux. Pépé était avec des soeurs et des amis qu'on connaît très bien, avec Macabo et toute la bande, c'est faux. Alors selon vous, c'est quoi les intentions d'Achille de dire qu'il a rencontré, pourtant il n'a pas rencontré? Ah ben moi je n'en sais rien, toute la terre s'est cachée là, tu veux qu'il a mouru de Pépé, hein, il ne veut pas la lâcher. Hein. Maintenant le reste, ça les regarde. Okay. Mais ce n'est ni Pépé qui a publié, qui a monté des gens comme il veut vous faire croire, qui a monté un coup, que les gens publient Achille ou quoi, ou qu'est-ce. Non, ça n'a rien à voir. Achille sait très bien qu'il a publié, puisque Coco Hortense me l'a dit. Il m'a dit, je ne peux pas laisser qu'on liquide ta fille, qui est Léonce la Rose Noire. Les deux, c'est mes deux filles. Et le fait d'avoir présenté Léonce, Pépé était déjà dans son foyer ailleurs. Donc s'il me dit une fille me plaît, dont le numéro que j'ai donné, les deux s'appelaient, ils s'entendaient bien. Moi, j'ai fait du bien. Et Léonce a aidé, du coup, par rapport à moi aussi. Je lui ai dit, non, il est dans la merde, aide-le. Tu peux aider ton frère camerounais, ouais, le problème. Maintenant, s'il paye en sacant cette petite Léonce aujourd'hui, c'est méchant, je trouve. Moi-même, je l'ai appelé aujourd'hui, m'a dit la mère, je crois, mais je suis pas sûr que c'est elle. Mais si j'ai toutes les preuves, c'est pas elle. Je vais te faire un direct, je vais m'excuser. C'est trop facile, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, si je voulais vous demander, madame Aminata, quand vous allez vers la Rose pour demander quelle aide Achille, en fait, vous êtes quoi pour Achille, pour demander à la Rose de l'aider? Non, je n'ai pas demandé. La Rose m'a posé la question. À peine je connais ce monsieur, il me soumet plusieurs problèmes à la fois. Okay. J'ai dit, si tu peux, tu l'aides. Le premier problème, c'est qu'il était sans domicile. Alors, il avait une copine qui avait un appartement, qui pouvait facilement lui se louer. Ça, j'ai dit, mais comme c'est ta copine, dis à ta copine d'accepter de lui se louer l'appartement, que qu'il soit dans la rue. Ce qui est tout à fait normal et logique. On ne peut pas laisser les gens dormir dans la rue, c'est un frère. Donc c'est comme ça qu'elle a présenté la fille à Achille. Elle a dit à Achille au téléphone, vas-y, va occuper, c'est une copine qui a cet appartement. Après elle m'a dit tout se passe bien, il est bien logé. Après ils s'appelaient tous entre eux, elle avait coupé après les ponts avec Achille pendant des mois ou des années même déjà qui s'appellent pas. Et c'est depuis quelques jours que l'histoire retombe que c'est elle qui a publié. Ben non, c'est pas possible. Acculer quand même la petite comme ça, c'est pas possible. Et lui-même il le sait actuellement, on parle, il le sait. C'est pas la petite. Il faut qu'il dise la vérité. Donc vous, si il dit pas, moi je vais dire à Coco Hortense de dire la vérité, parce que Coco sait que une autre fille lui a dit que c'est elle-même. Pourquoi les preuves que la fille a voté, c'est moi la fille d'Italie qui a publié Achille. Parce que soi-disant, Pépé avait fait un direct en disant que personne sur la toile n'a les nudes d'Achille, tu paries ma tête, soi-disant. C'était pour montrer à Pépé qu'on a les nudes de son ex. C'est trop d'histoire, ça. Mais si vous avez vous connaissez, si Coco vous a parlé, pourquoi vous ne pouvez pas le dire ici et qu'on en finisse? Vous attendez pas, Coco, il faut le faire un autre direct pour Coco. Si vous voulez, si vraiment la Rose est votre fille et que le mal que la Rose a, vous le partagez, on est ici. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la résidence FK. La résidence FK est située en plein cas. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokeleyo. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokeleyo. Nous vous proposons des studios de qualité, à savoir le studio Kamadin, Graphi, Tome de Papa, D'Or Refuge, Petit Château, Jardin Secret, Refuge de Dieu et Bord de Flude. La résidence FK, ce sont ces appartements meublés de haut standing à la hauteur de vos attentes. Nous avons Kotinju, La Rose des Vents, Nidamou et Neige Blanche.
La résidence FK, c'est son parking hautement sécurisé, un groupe électrogène, des caméras de surveillance avec des gardiens de jour comme de nuit. La résidence FK s'ouvre à vous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Contactez-nous au 683 41 58 58 699 09 63 et 79. La résidence FK, un cadre idéal pour votre séjour. Si devant 2000 personnes, pourquoi cette histoire ne peut pas finir ici ce soir? Vous qui êtes la maman de tous ces enfants, vous qui avez déjà l'idée de ce qui se passe exactement, pourquoi vous ne pouvez pas le dire ici et puis chacun est tranquille? Parce que là, vous prenez la parole pour défendre la maudite, vous nous dites que ce n'est pas elle. Moi, je vous dis que Achille nous a confirmé qu'ils étaient ensemble. Moi, je respecte votre parole. J'écoute bien. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes sûr de ce que vous dites. Mais entre-temps, Achille a dit ce qu'il a dit par rapport à leur rencontre. Mais maintenant, laissons même ce côté Achille et l'autre. Nous sommes sur la rose. Si vous, vous connaissez la vérité, dites la vérité ici pour vos enfants et puis on en finit. Pourquoi on n'est pas obligé de monter dans votre direct? Si vous faites un appel, si elle peut monter, elle monte. Je pense qu'elle regarde avec nous. Mais c'est pas le numéro de Coco. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes déjà là. Vous avez toutes les informations. Coco va juste confirmer si elle passe ailleurs ou elle appelle quelqu'un. Mais vous, ici, qui êtes la mère de toutes ces personnes, vous nous dites ce qui s'est passé. Et ce soir. Mais quelle information j'ai, monsieur? Mais c'est depuis que je pose, j'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas. Non, si vous pensez dit, que j'avais une information précise, je ne l'aurais pas dit tout de suite pour au moins libérer, et éclaircir, blanchir ma filiance. Moi, j'ai pas de voix de cette fille, mais Coco a des preuves et des captures comme quoi la fille a confirmé à Coco que oui, c'est moi qui ai balancé Achille. C'est ce que j'ai dit donc, vous connaissant, si Coco vous a donné le nom de la fille. Non, je n'ai pas donné le nom de la fille. Je vous aurais relaté. Ah, okay. Mais je sais seulement, c'est une fille qui est en Italie, qui habite Rome. Achille était passé par là-bas voir la fille. Ok. Alors, concernant donc cette histoire, en gros, vous êtes quand même. Vous êtes d'avis avec moi que cette photo qui est cachée derrière le sourire n'a rien à voir avec Achille, avec la rose. Laquelle des photos? Sur les photos d'Achille qu'on a publiées. Parce que Achille voulait faire savoir aux gens que la photo qu'on a cachée avec le sourire, c'est la rose noire qui est derrière pendant qu'ils étaient en appel vidéo. Ils faisaient les trucs en appel vidéo. Moi, j'ai pas vu les photos. Hein. Ah, vous les avez pas vues? Ok, allô? Ni la nudité d'Achille, moi, je me permets pas de voir ça, moi. Et comme on voit même ça, je suis face direct. Hein. Je suis musulman, je vois pas. Je suis en direct. Que tu n'es des gens. Ok, ok, un instant. Attendez, Aminata, il y a quelqu'un qui voudrait vous répondre. Allô? Allô, allô? Oui, allô? Oui, Nadège, tu es en direct. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à Aminata? J'ai dit que Aminata manque beaucoup. C'est la bonne chose. Ah, Nadège, laisse la parole. Tiens, on t'écoute. Elle a peur de ma part. Moi, je ne supporte pas, je ne soutiens pas ceux qui ont fait ça. Maintenant, toute la vidéo montre que c'est un montage. Et elle veut nous prouver que ce n'est pas la rose, le nom, et que ce n'est pas ma part. C'est qui alors? Ça veut dire que quand on dit que ça sort de l'Italie, donc qui sort ça de l'Italie? En dehors de ma part, qui habite avec sa fille en Italie, qui sort donc ça? Donc, si nous la vérité, qui te suit, tu peux parler dans un direct, il y a 1500 personnes. Comment j'ai fait de ma part? Pourquoi t'avais accusé elle-même que tu avais mis le rebelle dans le devant son père? Laisse-moi les histoires là. Laisse-moi les histoires dormir. Si tu as des rancunes contre elle, si tu as des rancunes contre ta soeur, c'est pas une raison pour la cause, pour envenimer les choses. Si moi j'avais une preuve, on se connaît, on se dit des vérités. Disons-nous les vérités. La déposte, tu as la preuve que c'est fait. C'est fait. Tu as la preuve. Non, je suis la première à dire que c'est la rose noire. Je suis la première à dire que c'est la rose noire. Tu as fait pourquoi Achille ne dit pas la vérité? Parce que Achille m'a montré, écoute bien, Achille m'a dit, moi je t'appelle Achille. Je dis Achille que quand tu as la vidéo de ma part et que ma part m'a fait de mettre ta vidéo sur Facebook, ta photo sur Facebook, même si ça parle, mettez le concombre pour envoyer au gars béninois. C'est là où il me dit que ce n'est pas ma part. Je dis, c'est donc qui? Il me dit que c'est la rose noire. C'est lui qui me dit, il y a des preuves et tout, que c'est Achille qui me le dit. Voilà. Tu comprends? Mais le fait de te mettre maintenant et dire que ça me dit, dimanche, ils n'étaient pas ensemble. Nous sommes de Paris, que tu sais avec qui ils étaient. Tu ne sais pas avec qui ils étaient, tu ne marches pas avec eux. Voilà. C'est souvent nous laisser l'hypocrisie à deux balles, Aminata. Vraiment, il faut laisser le paradis, le Congo. En tout cas, Aminata, elle est partie. Hein. Elle est partie, elle va entendre le direct. Donc, nous, souvent, c'est pas souvent nous mettre les gens comme ça, la grande. C'est les fausses filles de Paris. Non, Nadège, je vais t'expliquer. La Rose m'a expliqué que Aminata, c'est quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un qui connaît bien la famille de la Rose. Tu vois, donc, la Rose a de la considération pour elle. Et que si elle, la Rose, elle a aidé Achille un jour dans sa vie, c'est grâce à elle. Et elle donc, étant la maman de la maudite, et sa grande sœur même Bintou, qui est aussi la maman de la maudite, tu vois dans le rapport qui se fait là. Grand, oui. Je suis à Paris, laisse-moi les histoires qui les bas. Bintou, je la laisse parce qu'elle n'est pas encore dans la salité. Parce que quand tu appelles, elle te dit à la bas. Mais Aminata et ma femme sont des collègues, donc elle ne peut rien dire, elle ne peut pas défendre la Rose noire et défendre, comment on appelle, ma femme. Et c'est elle qui dit maintenant que ça sort de l'Italie. Quand tu lui dis que. Dis-moi, tu donnes la version, elle te dit que telle personne ne peut pas entrer dans ton direct. Et elle vient dans ton direct et te dit, je suis là. Comment c'est quoi, c'est quoi pour qui? Et puis là où Aminata se trompe lourdement, c'est que si la maudite dit que personne d'autre n'a les nœuds d'Achille, à part elle, la maudite, et maintenant, elle, la maudite, ayant des adversaires du côté de l'Italie, tout ce monde, elle-même, la maudite, avec Achille, programme de sortir ça pour mettre ça sur la tête de quelqu'un. Parce que maintenant, je vais vous dire une chose, ça ne va pas partir de chez la Rose noire pour atterrir
sur la tête de quelqu'un d'autre. Vous mentez. Ça reste entre Achille et la maudite. Ça ne va nulle part. C'est tout. Ça ne va nulle part. Ni de l'Italie, ni du Cameroun, ni de nulle part. Il est hors de question que la maudite, le jeudi, le samedi, je ne sais plus quand, dimanche, elle vous dit que chez elle, on l'a encore dépassé. Parce que, regardez tout le hasard, hein, c'est vraiment prénom comme c'est le hasard. Parce que moi, le samedi, je dis que... Grand, attends un peu, Père le Lion, tu prononces encore mon nom, tu bloques. Tout à fait, ici là, c'est Nadès qui a la parole, tu me demandes de bloquer, je bloque. On peut le laisser, c'est un amateur. Ok. Il y a rêve qui demande, je fais entrer rêve. Donc je disais, regardez à tout le hasard. Quand toutes ces choses-là arrivent, faites travailler vos cerveaux. Quand j'explique ici en public que c'est Achille qui fait le discours au deuil de la petite LGBT, et que Achille, en partant, a donné 300 000 à la maudite. Et moi, en tant que grand frère, je dis à la maudite, le jeu que tu joues là n'est pas bon. Tu as laissé un gars à la maison qui est ton mari. Déjà que moi-même, à cette époque, je sais comment Achille et moi on s'est séparés à cause de la maudite. Parce que je protège la maudite. Donc Achille et moi, on n'est plus jamais en contact. Et tout d'un coup, je me rends compte que je suis au courant que Achille est au deuil. Ce n'est même pas la maudite qui me le dit. Je la prends et je dis à la maudite que qu'est-ce que j'apprends là? Comment Achille est au deuil? Tu as laissé. Il me dit, il est venu comme ça. J'ai dit, mais comment il est venu comme ça? Et ton gars, qu'est-ce qu'il va penser? Et il y a des histoires d'argent. Il me dit, non, mon gars, lui, quand je lui donne l'argent, il se calme. Donc, vous comprenez que depuis que cette histoire est sortie, du coutement et subitement, il y a les photos d'Achille qui sortent, tout d'un coup. Il y a la maudite qui part de Rouen, elle vous dit qu'elle est énervée, elle ne sait pas où elle va. Mais 10 minutes ou 20 minutes après, on la retrouve avec Golisanda. Et 15 minutes ou 20 minutes après, elle est dans les circuits en train de rigoler pour quelqu'un qui ne savait pas où elle allait. Et le lendemain, on nous dit que, toujours le même Achille lui-même, nous dit qu'ils sont au restaurant. Et vous voulez que l'histoire aille chez quelqu'un d'autre? C'est la maudite et Achille, ça ne va nulle part. Mais avant de clôturer la vidéo, hein, chers fans, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense, votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc avec TapTapSense pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries dans les banques. Avec TapTapSense, tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTapSense, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 euros si tu vis en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTapSense. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo dont les autres codes promo là. Et pour moi, ça se renouvelle. Hein. Donc, TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, pour mon like. Si ça te plaît, mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai tiens juste à vous rappeler qu'ici sur terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Fredeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong?